Donc ben là on va attaquer les cartes à jouer comme prévu. Donc le but cette fois-ci ça va être de créer une planche de cartes à jouer. On va se contenter juste de créer une seule carte pour les débuts et voir en fait comment adapter son travail sur InDesign à un travail de mise en page sur des cartes à jouer. Donc les cartes à jouer, je vous propose pareil de revenir sur mon Pinterest dans lequel vous allez retrouver parmi les différents tableaux, c'est Game Design, jeu de cartes. Donc, faites votre propre tableau, hein, mais là, je vous montre un peu ce qui m'a semblé intéressant de mettre en avant. Donc, que ce soit en termes de design, en termes de personnages, en termes d'éléments graphiques, pour aider à la compréhension du rouage de jeu, vous aurez vite compris que si on n'a pas le rouage de jeu, créer une carte, même là comme ça, pour exemple, c'est un peu compliqué. Donc, nous, on va juste partir d'une valeur qui sera une valeur qui est donnée à la carte, un événement qui sera en gros de redonner des points d'influence, voilà, sans préciser ce que c'est, et ensuite peut-être un petit symbole supplémentaire qui décrira soit une attaque, soit une défense. Point. Les cartes du jeu Gwent, on a là sur toute la partie gauche la valeur, l'attaque, ensuite on a la description, les effets, etc. Ainsi que l'appartenance par les couleurs que vous avez sur le côté. On va revenir. J'ai également, alors on peut partir sur d'autres cartes qui n'ont rien à voir, mais c'est ça qui est intéressant de regarder. On a ici Beast, c'est la bête. Avec une illustration, donc vous voyez que l'illustration dépasse et vient chevaucher, donc ça c'est intéressant aussi à travailler. Là on a une carte Abyss, dans laquelle vous avez une image qui est, on pourrait dire en pleine page, en tout cas en pleine carte, mais l'image est suffisamment sombre pour pouvoir mettre le texte en avant, ainsi que les valeurs, etc. Voilà, et puis en vous perdant un peu sur Pinterest, bah vous allez tomber comme ça sur plein de cartes. Bah, ça, tenez, je vais l'ajouter. Direct live sur Game Design et jeu de cartes. Voilà, je peux vous montrer également. Ça, c'est un travail qu'on avait fait avec les prépas l'an dernier. Qui est bagarre ici. Donc vous voyez, en fait, on avait fait un petit tableau avec des petits éléments d'exemple et quel type d'univers on voulait mettre en place, etc. Voilà, donc c'est ce que je vous invite aussi à faire. Et là, donc on va partir en fait sur juste une présentation d'un jeu de cartes. Alors ça va être assez rapide, hein, mais le but c'est de vraiment mettre à profit toutes les connaissances que vous avez eues sur InDesign à partir des deux vidéos d'avant sur un petit exercice. Donc d'abord, je vais me renseigner sur la dimension de carte à jouer. Le style poker. Donc on est sur du 62 par 88. Ok. Donc je vais revenir sur InDesign. Et sur InDesign, en fait, je vais ouvrir une feuille A4, tout simplement. Donc là, je vais prendre un bloc. Je vais faire un clic et je vais rentrer les valeurs. 62 mm. Non, pardon. 82. 88 mm. Je vais m'en sortir, oui. Hop là, voilà. Par 62. Ok, elle n'est pas dans le bon sens. Pas grave, on va la retourner. Voilà. Alors, je vais la placer là pour le moment. Alors, je vais mettre les bords arrondis pour ce fond, en fait. Et puis, tout de suite, en fait, dans mes calques, je vais créer un nouveau calque. Et ce calque-là, je vais l'appeler fond carte. Il n'y aura que le rectangle dedans. Je vais mettre même une couleur, mettre une couleur foncée, noire, voilà, très bien. Et pour l'arrondi, en fait, vous avez l'arrondi des éléments que vous pouvez modifier ici. Alors, si vous survolez, il y a écrit Alt plus clic pour ouvrir la boîte de dialogue. C'est ce que je vais faire. Donc là, j'ai la boîte de dialogue qui vient de s'ouvrir. Et donc, je vais mettre arrondi. Et on va partir sur 5 mm. Ouais, alors c'est pas assez, on va mettre 10 mm. Je vais mettre l'aperçu, voilà, c'est mieux. Donc c'était assez, je pense. 5 mm. Voilà.
Je vais verrouiller mon fond de carte et du coup je vais travailler sur mes cartes. Donc comme pour l'exercice précédent, en fait je ne vais pas partir de rien. Donc l'idée en fait ça va être de mettre des illustrations pour rappeler un item, des valeurs et un événement. Ce qui m'intéresserait de trouver, donc il y a ces cartes-là hein, qui fonctionnent tout de suite, donc on pourrait partir là-dessus. C'est peut-être trouver quelque chose. Voilà, là vous voyez l'illustration est beaucoup plus petite, donc on imagine en fait que c'est un jeu de cartes où il y aura des pas mal de commentaires sur d'autres cartes. Du coup, ils ont prévu l'espace pour des cartes où il y aura plus de d'effets ou de compétences, etc. Nous, on va imaginer un jeu. Alors plutôt que les cartes à bis, ouais, bah, tenez, regardez, on va partir sur cet exemple-là. Moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est voilà, une explication simple, un titre et une illustration. Ok, donc ce que je vais faire, je vais copier, pardon, enregistrer cette image. Je vais l'ajouter à mon dossier de travail. Voilà, je vais revenir sur InDesign. Donc je vais mettre ma carte juste à côté pour l'exemple. Voilà. Donc l'idée c'est d'avoir le nom sur le côté ici, ce qui est pas mal, ce qui est plutôt bien vu. Ce que je vais faire, je vais juste récupérer ce rectangle, je vais à nouveau le verrouiller et je vais coller sur place. Il m'a dit que c'est pas possible parce que je suis pas sur le bon calque. Je vais le coller sur place. Voilà. Alors, je vais le réduire. Je vais mettre une couleur blanche. Voilà. Et en le réduisant, plutôt que de le réduire comme ça aléatoirement, je vais maintenir majuscule pour conserver les proportions et maintenir Alt pour les diminuer en son centre. Voilà. Je vais modifier par contre l'arrondi. Je vais le baisser un peu puisque je suis à l'intérieur. Voilà, là on n'est pas trop mal. Et pour avoir les mêmes proportions, je vais un peu diminuer vers le centre. Voilà. Donc ici, je vais mettre mon image. Donc c'est un premier essai, après peut-être qu'il sera pleine page. Je vais mettre mon petit monstre que j'avais préparé. Voilà. Ah oui, il est retourné. Alors bien, super. Donc pour le retourner dans l'autre sens, du coup, flèche blanche, je sélectionne. Flèche noire, j'obtiens les modifications. Et je le mets dans le bon sens. Voilà. Ok. Ensuite, le nom. Donc le nom, je vais prendre tout simplement mon outil texte. Je vais mettre Golem Océanique. Ouais, c'est parfait. Océan Golem. Ok, on va utiliser une typo qui soit originale. Attends, on va utiliser ça, un truc un peu bourrin. Je vais le mettre en blanc. Ok, donc je vais utiliser juste ma palette de couleurs à mettre en papier. Voilà. Alors, cet élément-là, je vais le mettre par-dessus. Alors, soit je le mets sur le côté. Je vais grossir un peu la taille. On va mettre à 36, c'est peut-être trop. Voilà. Ouais, c'est très bien. Alors, la problématique, c'est que si vous avez des personnages avec des noms beaucoup plus longs, ça va pas être top, quoi. Voilà. Pour le bas, bah, je vais utiliser à peu près le même principe. Donc, en fait, l'idée, ce serait d'avoir une image en PNG avec cette espèce de trace. Donc, pour ça, je vais aller rapidement sur Photoshop. Je vais virer tout ça pour avoir un fond blanc. Alors est-ce que j'ai pas un brush qui me permettrait de faire ça rapidement? Voilà, allez hop. Donc CTRL ALT, MAJ C, j'enregistre en
PNG. J'enregistre par-dessus. Et donc là, rappelez-vous, hein, InDesign fait automatiquement la mise à jour. Donc vu qu'il va capter qu'il y a eu une petite modification, vous allez dans lien et vous cliquez sur le petit attention. Et voilà. Ben voilà, c'est beaucoup mieux. Ok, maintenant je vais placer mes petites icônes. Donc les icônes, soit vous les avez récupérées sur Internet, soit vous les avez fait vous-même. Je vous conseille évidemment de les faire vous-même. Moi, je vais les prendre d'Internet. Je vais pas m'ennuyer. C'est juste un exemple. On va partir là-dessus. Allez, hop. Je vais aller sur Photoshop. Je vais enlever tout ce qui excède. Alors, je le fais un peu à l'arrache. Désolé. C'est pour aller plus vite. Voilà, c'est détouré. J'enregistre en PNG. Je vais l'appeler item. Donc là sur InDesign du coup, pour importer mon item, je vais faire un bloc. Oh là. Excusez-moi. Ctrl D. J'importe mon item. Ctrl Alt Maj E pour qu'il soit entier dedans. Et je vais coller mon item. En essayant d'avoir une bonne justification. Alors là, si je veux diminuer et le bloc et l'image dedans, si je prends la flèche noire, vous voyez qu'il n'y a que le bloc qui est réduit. C'est pas ce que je veux. Si je veux réduire les deux, je vais prendre l'outil transformation qui est là. Et lorsque je vais diminuer le bloc, eh bien le contenu, donc l'image à l'intérieur, va se modifier également. Ok. Qu'est-ce que je pourrais mettre de plus? Alors, ben, par exemple, ça, je vous montre un peu des petits trucs avec l'outil plume qu'on a vu sur la vidéo précédente. Je fais juste un trait et dans la palette contour, je vais lui indiquer que je veux qu'au début, ben, il n'y ait rien. En revanche, je veux qu'à la fin, il y ait un triangle et je vais augmenter sa taille. Ça, c'est pratique, hein. Vous pouvez même éventuellement faire, vous voyez, des flèches qui partent dans tous les sens, quoi. Finir par peut-être une petite icône. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est une espèce de forme qui met en avant une valeur. Est-ce que j'ai pris ça quelque part? Alors pareil, ça serait mieux si ça avait été de la texture de l'eau, mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc là, l'idée c'est de récupérer que cette partie-là. Voilà, je vais masquer le reste. Je vais mettre une lueur externe. Voilà. Allez, j'enregistre ça en PNG. Ça sera ICO, valeur, bref. Et j'importe ça sur InDesign. Donc voilà, là en fait, vous voyez à peu près comment travailler rapidement une mise en page d'une carte. Je suis parti d'une carte déjà existante, donc c'est elle qui m'a donné les idées de comment présenter les choses. Après, ça ne sera pas toujours évident, loin de là, de trouver la bonne disposition pour expliquer votre rouage de jeu. Parce qu'à travers justement la création d'un jeu de cartes, il faut que les règles que le joueur a apprises soient appliquées de manière logique dans le sens de lecture et dans la lisibilité de l'information. Alors ça, c'est vraiment tout le challenge quand on fait des cartes à jouer, c'est de faire en sorte que, ben, une fois qu'on a appris les règles, on comprend rapidement à quoi servent les icônes. Hop, je vais mettre une typo qui se voit peut-être un peu mieux. Donc je suis à 9. Bon, on va utiliser ça, peu importe.
En noir ou en blanc, on va voir ce que ça donne. Alors le noir se voit, maintenant je pense que le blanc va mieux passer. Le blanc ça allège tout de suite. Hein. On va voir ça, mais ouais, voilà. Voilà, pour finir, mais on va tester sans le contour noir. On va faire un petit majuscule W déjà pour voir ce que ça donne. Donc vous voyez que ça passe pas mal. Alors, je réduirai peut-être un peu l'image qu'il y a dedans. Et même la flèche, il faudrait la retravailler. Hein. La flèche, c'est pas top pour le coup. Bref. Voilà, en gros. Donc oui, ce que je voulais modifier, c'était mon fond. Donc là, je vais juste, dans mes calques, dévisualiser le rectangle du fond. Ouais, au final, ça peut être vraiment pas mal. Sans le fond, d'utiliser une image pleine page. On va tester ça tout de suite. Bon, je dépasse parce que j'ai pas le même arrondi. Tac. Je sais plus à combien on était, je crois que c'était 5. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça passe pas mal avec une image pleine page. On est un peu dans le système de jeu Abyss. Voilà. L'océan de Golem. Donc, ben, amusez-vous à tester vraiment des petites mises en page. Là, ça ne nécessite pas beaucoup de temps. Et en même temps, ça va vraiment vous entraîner à faire de belles mises en page en vous inspirant de choses déjà existantes. Voilà, c'était la fin de la troisième vidéo. J'en ferai peut-être d'autres sur Photoshop, Illustrator, qui soient un peu courtes et qui reviennent sur ce qu'on a vu en cours. Ça va être utile pour ceux qui ont été absents, notamment à cause des événements actuels qui sont un peu compliqués. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne création, une bonne imagination, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!